était en campagne pour les régionales. Le candidat du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, était à Courcelles-sur-Blaise aujourd'hui. Ancien militant de Debout la France, il est membre du parti de Marine Le Pen depuis 2017. Le candidat fonde son programme sur la défense de la ruralité et sur la sécurité. Charlotte Meunier, Maxime Meyer. Un village d'une centaine d'habitants, c'est l'endroit choisi par Laurent Jacobelli pour mener sa campagne au Marnaise. Entouré de plusieurs maires du département, le candidat du Rassemblement national, tête de liste aux élections régionales, a réaffirmé sa volonté de défendre la ruralité. Nous disons aux Marnais, nous sommes les défenseurs de la ruralité. Nous allons investir dans la ruralité. Nous nous voyons la ruralité comme une chance et non pas finalement comme quelque chose d'un peu archaïque. Nous pensons que vivre dans des grandes métropoles n'est pas la solution, qu'il vaut mieux vivre, travailler et prendre sa retraite au pays, là où on est né. Laurent Jacobelli mise sur la proximité. Il souhaite notamment un éclatement de la région Grand Est pour un retour aux trois régions d'origine. Une vision partagée par les élus au Marnais du Rassemblement national. Ce qui nous importe, c'est que la région ait un langage beaucoup plus de proximité avec les communes, puisque là, actuellement, elle est très orientée vers les communautés de communes et on n'est pas assez proche des maires et notamment des maires ruraux. Autre priorité pour le candidat du parti de Marine Le Pen, la sécurité. Laurent Jacobelli souhaite mettre en place la gratuité des TER pour les policiers et gendarmes, ainsi qu'une aide financière pour sécuriser davantage les communes. Souvent dans les petits villages, on est à une demi-heure, voire une heure des premières forces de l'ordre. Et ça crée une inégalité par rapport au droit à la sécurité. C'est pour ça que nous allons investir pour aider les communes rurales à se protéger par vidéoprotection, pour celles qui le peuvent par des polices municipales. Mais nous serons à leur côté pour protéger leurs concitoyens, car parfois leur budget ne leur permet pas. En Haute-Marne, Laurent Jacobelli fait campagne en terrain conquis. Lors des dernières élections régionales, le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans le département avec 42% des voix.